Aujourd'hui, on se retrouve avec Cédric Parot. Cédric Parot, toi, tu habites à la frontière entre le Jura et le canton de Berne, dans un endroit qui s'appelle Secours. C'est exactement ça. C'est exact. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve plus dans le, chez les Vaudois, parce que comme ça, ça nous partage la distance. Et Cédric, tu as envie de nous parler de l'hypnose. Et de l'hypnose à la façon Cédric, ou quelque chose de plus large, mais en tous les cas, tu voulais développer ce thème de l'hypnose. Oui, tout à fait. Pourquoi l'hypnose ? Parce que c'est la technique que je pratique actuellement, et puis je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que presque tout le monde a entendu parler d'hypnose, mais d'hypnose de spectacle, on a vu des shows à la télévision, des choses comme ça, mais ça reste quelque chose de mystérieux, la plupart des gens ne savent pas... Qu'est-ce que c'est que l'hypnose ? Donc c'est clair que c'est une hypnose qui est thérapeutique. C'est une hypnose. Alors qu'est-ce qu'on fait grâce à l'hypnose ? Qu'est-ce qu'il y a moyen de, où il y a moyen d'aller finalement avec cette technique ? Alors l'hypnose, ça s'adresse à tout ce qu'on fait de manière automatique, tout ce qu'on fait de manière inconsciente. Par exemple, il y a énormément de gens qui ont des manies, genre ils fument la cigarette. Alors ils voudraient bien arrêter. Mais en même temps, il y a une autre partie d'eux qui ne veut pas arrêter. On aimerait bien arrêter de manger du chocolat, mais en même temps, il y a une autre partie de nous qui fait qu'on n'arrive pas à arrêter de manger du chocolat. Donc, ce n'est pas forcément des parties qui sont inconscientes, du coup, c'est des parties conscientes. Non, c'est des parties sur lesquelles... On est en désaccord. On a conscience de leur existence, mais elles agissent d'une manière sur laquelle on ne peut pas intervenir consciemment. Notre conscience est incapable d'intervenir dessus. Pour te donner un exemple, je vais t'inviter à faire un petit exercice tout simple. Mm-hmm. Je vais te demander de faire quelque chose, et puis dès que tu as réussi à le faire, tu lèves ta main gauche. La droite, ce sera plus facile. Hop, comme ça. C'est vraiment un concours de vitesse. Hein. Le plus rapidement possible. Donc, je vais te demander maintenant de le faire. Oublie le chiffre 741. Salaud. Tu vois, il y a quelque chose là. En fait, j'ai réussi avant de. Il y a eu un instant où j'aurais pu lever la main au départ, mais après plus. Ouais, voilà. Et plus tu essayes consciemment de l'oublier, et plus ça l'ancre. Parce que la fonction oublier, c'est une fonction inconsciente. Un nombre à trois chiffres, tu en as déjà oublié plein. Numéro de téléphone, tu sais plus, etc. Donc, si tu avais en plus utilisé le nombre 747 comme le Boeing, ça aurait été encore pire. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais là, on aurait pensé que je trichais. Donc, cette capacité d'oublier des choses, elle est complètement inconsciente. Tu vois, par exemple, ça arrive à tout le monde de penser à un truc, mais de plus savoir le nom. Ouais, je suis allé en vacances l'autre jour sur ce style, ah, comment ça s'appelait, tu sais plus. Et plus tu cherches, et moins tu trouves. Et puis quand tu arrêtes de vouloir chercher, quand tu mets ta conscience sur autre chose, tac, ça ressurgit. Mmh. Ah oui, Lanzarote, c'est juste. Donc, alors, tu es en train de me dire que moi qui, par exemple, ai toujours de la difficulté à me souvenir des prénoms, grâce à l'hypnose, je pourrais changer ce paramètre. Tout à fait. Oui ? Tout à fait. Oui ? Tout à fait. Mais absolument. C'est fabuleux, ça m'aiderait beaucoup dans... Parce que je rencontre beaucoup de personnes par année. Si ouais. D'un coup j'arrive à me rappeler de chacun de leurs prénoms, ce serait fabuleux. Ce serait magnifique. Alors on pourra peut-être essayer tout à l'heure de faire quelque chose dans ce sens-là. Ça ferait un bon sujet. Voilà. Extraordinaire. Donc, il y a cette partie inconsciente et l'hypnose, elle nous permet d'aller travailler avec cette partie inconsciente. On ne nous a pas appris à travailler avec la partie inconsciente. On nous a que appris à travailler avec la partie consciente. Alors, c'est quoi l'inconscient, finalement ? L'inconscient, c'est... Alors, on trouve des bouquins comme ça, qui donnent des théories absconses sur ce qu'est l'inconscient. Mais moi, j'aime bien une définition beaucoup plus simple. L'inconscient, c'est l'ensemble de tout ce sur quoi on ne met pas la conscience dans l'instant. Et c'est quoi la conscience dans l'instant ? Alors, j'ai pris une lampe de poche pour expliquer ce que c'est que la conscience dans l'instant. Mmh. La conscience dans l'instant, c'est vraiment comme un faisceau de lampe de poche. J'allume ma lampe de poche, je claire les fleurs, on voit les fleurs. Mais du coup, on ne voit pas trop le mur, on voit surtout les fleurs parce que c'est là qu'on regarde.
Maintenant, si je claire le mur, on voit un super rang blanc sur le mur, mais on ne voit plus les fleurs. Donc ça, c'est finalement notre conscience. C'est le faisceau de notre conscience. De la même manière, si maintenant je te parle de la position de tes pieds, tu mets le faisceau de ta conscience sur la position de tes pieds, tu en prends conscience. Mais l'instant d'avant, tu n'avais absolument pas conscience de la position de tes pieds. Maintenant, je peux te parler de la position de tes mains, tu prends conscience de la position de tes mains. Mais la position de tes pieds retourne dans le domaine de l'inconscient. Si je te parle de ta respiration, tu commences à respirer un peu plus ou différemment pour en prendre conscience. C'est ta façon de reprendre contact avec, vérifier qu'elle est là, de trouver son contour. Et pendant que tu fais ça, tu as complètement oublié la position de tes mains, la position de tes pieds. Donc si on va chercher, par exemple, une imagerie médicale où se trouvent la conscience et l'inconscience dans le cerveau, on ne trouvera jamais. Parce que la conscience, c'est juste la partie sur laquelle on est en train de se focaliser. C'est tout. Et tout le reste est inconscient. Et du coup, si par exemple tu me parles, je ne sais pas, de mes cheveux gris ou de mon surplus de poids, justement, ça va être encore plus complexe. Je vais perdre encore plus la conscience du reste, à quelque part. Tu vas surtout mettre ta conscience sur cet élément-là. Et laisser le reste se débrouiller par lui-même. Parce que pendant que tu es en train de mettre ta conscience sur tes pieds, par exemple, la respiration, elle continue de fonctionner. C'est mieux. Ouais. Tu prends ta voiture, tu fais 50 km, tu arrives au bout, tu dis « Ah, je suis déjà arrivé. » Hein, combien de fois ça nous arrive? On a complètement zappé toute une partie du chemin. Et pourtant, on a conduit normalement, on a respecté les limitations, on s'est arrêté au feu rouge, on a laissé traverser les piétons. Mais on l'a fait d'une manière automatique. Alors toi, tu disais avant, on va travailler grâce à l'hypnose, travailler sur l'inconscient. Mais alors comment on travaille sur l'inconscient vu que c'est quelque chose qu'on ne regarde pas? Voilà, ça c'est la difficulté. Donc est-ce que toi, je veux bien comprendre que grâce à l'hypnose, tu vas travailler sur moi, sur mon inconscient, plus ou moins, mais moi-même, comment je peux travailler sur l'inconscient? Alors, toi-même, travailler sur ton inconscient, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est ce qu'on fait quand on fait de l'auto-hypnose. Mais quand on fait de l'hypnose, moi, travailler sur ton inconscient, c'est typiquement l'exemple de « oublie le chiffre 741 ». Je l'avais oublié. En te demandant d'oublier ce chiffre, je m'assure que tu t'en souviennes. Donc en fait, je te manipule parce que je donne quelque chose à ta conscience, mais en visant que ton inconscient fera quelque chose d'autre. Si je te dis « mais arrête de penser aux cigarettes », je ne vais pas t'aider à arrêter de penser aux cigarettes. Au contraire. Si je te dis « essaye d'imaginer que je n'ai pas un nez rouge », je suis sûr que tu le vois, le nez rouge. Presque. Presque. En fait... Mais c'est ce qu'on fait constamment avec les enfants, « touche pas à ça ». Quand on dit « touche pas à ça », ils... Exactement, exactement. On dit « fais attention de ne pas tomber dans le trou ». Il est tétanisé par le trou, il finit par tomber dedans. Exactement. Comme on dit que sur l'autoroute, il ne faut pas regarder une voiture qui est sur le bord de la route, parce que sinon, on risque bien d'y aller. Tout à fait. Ou si tu perds le contrôle de ta voiture, il y a deux arbres. Si tu regardes l'espace entre les deux arbres, tu as une chance de passer entre les deux arbres. Si tu restes focalisé sur un arbre, tu iras sur l'arbre. Parce que ton inconscient, c'est un bon petit soldat qui est à ton service. Et il réalise ce que tu lui donnes comme ordre. Et ce que tu lui donnes comme ordre, c'est ce que tu as dans ta tête. C'est la chose à laquelle tu penses. Si tu penses « je veux pas ceci », t'auras ceci. Parce que tu y penses d'une façon tellement forte que c'est comme si tu regardes l'arbre, tu vas foncer dedans. Donc ça, c'est la première pierre de l'hypnose, c'est déjà sur cette base-là. Et donc, une fois qu'il y a ça qui est mis sur pied, comment on procède après? Alors, pour comprendre comment on procède, il faut encore comprendre deux, trois autres éléments. Là, ce qu'on a déjà vu, c'est qu'il y a tout un tas de choses que l'inconscient fait de manière automatique. C'est peut-être intéressant de savoir qu'il fait ces choses de manière automatique, parce que quand on met de la conscience dessus, sur quelque chose, ça consomme énormément d'énergie, alors que quand c'est automatisé, ça consomme presque plus d'énergie. C'est pour cette raison qu'on a tendance à tout automatiser. Dès qu'il y a quelque chose qu'on fait de manière répétitive, quelques fois de suite, ça devient un automatisme, très très vite.
Donc il y a du bon, mais en même temps, ça nous endort. Non, il y a que du bon. Dans l'automatisme? Oui, oui. Il y a que du bon. Donc ce qui est... les conditionnements, c'est automatique pourtant. Ce qui est pas bon, c'est quand on ne choisit pas l'automatisme. C'est-à-dire quand le choix de l'automatisme qu'on va utiliser est choisi par quelque chose qui ne dépend pas de nous. Donc, si tu regardes par exemple les tout petits enfants, ils passent de « je suis content, youhouhou » à « je suis triste, bouh » à « je fais une colère, wouah ». Mais ils passent d'un comportement à l'autre en une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce qu'ils imitent les comportements qu'ils ont vus autour d'eux. Et puis ils sont dans un contexte, par exemple, papa a dit « va ranger ta chambre », il n'a pas envie d'aller ranger ta chambre, alors il fait quoi ? Ben, il essaye un comportement. Si ce comportement marche, tout va bien. S'il marche deux fois de suite, tout va bien. S'il marche trois fois de suite, il est enregistré. Si ce comportement, ça a été, par exemple, la séduction, pour une petite fille, souvent c'est la séduction, quand elle sera grande, dès qu'elle voudra échapper à quelque chose, elle utilisera la séduction. Si ça a été la tristesse, automatiquement, la personne utilisera la tristesse. Elle aura oublié que c'est un comportement appris pour manipuler les autres. Elle se croira réellement triste. Mais en fait, elle ne fera que de mettre en place un comportement appris dans son enfance. Si tu regardes le monde autour de toi, tu te rends compte que ce comportement que tous les bébés apprennent, je hurle quand j'ai faim, si maman vient pas, je hurle plus fort jusqu'à ce que j'ai à manger, on l'a gardé. Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans une situation qui les dépasse, où ils ne savent plus comment faire pour s'en sortir, ils gueulent. Donc alors ça n'a pas été appris, ça a été enregistré sans réellement apprendre, c'est-à-dire que ça a été appris, c'est plus profond, vu. Non c'est plus... On l'a vu chez les autres, on l'a expérimenté, et si ça a marché, on l'a utilisé, mais si ça a marché, c'est parce qu'on nous a donné un cadre dans lequel ça marchait. C'est clair qu'on l'a appris. On l'a appris en observant le contexte, on ne l'a pas appris en écoutant ce qu'on nous disait. Récemment, j'entendais une maman dire à sa fille, « Maintenant tu te calmes, sinon je t'en colle une ». C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'elle apprend, la fille? Elle apprend que quand on maîtrise plus une situation, on s'énerve. Mais c'est exactement l'opposé de ce que dit la mère. La mère, elle dit, tu dois être calme. Mais elle lui montre que pour obtenir le calme, on s'énerve. Les enfants apprennent que à travers les comportements qu'ils voient. Ils répètent les trucs qu'on dit, mais ils font comme nous. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a encore deux, trois petits trucs à comprendre sur l'inconscient. Donc il ne faut pas que les parents se culpabilisent, mais en tout cas qu'ils prennent conscience qu'il faut être cohérent dans leurs actes. Au niveau justement de l'addiction et de l'émotion qui va avec. Les parents et toute personne doivent comprendre qu'on fait toujours tous le mieux qu'on peut, avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on a à disposition. Les parents font toujours le mieux qu'ils peuvent. Après, il y a des techniques qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas les appliquer. Personne n'est omniscient. C'est juste pas possible. Donc je t'ai coupé. Pas de souci. Une chose qui est super importante à comprendre aussi, c'est qu'on a un véritable esprit inconscient. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de penser à des trucs, il y a toute une partie de nous qui pense, mais on ne sait pas qu'on est en train de penser. Donc c'est comme un deuxième Cédric, un deuxième Pascal qui vit dans un monde parallèle, ou c'est ça que tu es en train de dire? C'est quelque chose comme ça. C'est que le Pascal ou le Cédric sont beaucoup plus vastes que la partie dont on a conscience. C'est l'ordinateur, il fait des tas de choses, mais il n'y a qu'une petite partie dont on a conscience. C'est ça que certains appellent l'âme? Pas exactement, non. Pas exactement. Pas exactement. Après, ça y ressemble. On peut faire une métaphore, on utilise beaucoup de métaphores en hypnose, une métaphore avec une grande société où il y a le directeur général à la tête de la société, puis après il y a les directeurs, les sous-directeurs, les cadres supérieurs, les cadres, les chefs et puis le personnel. De temps en temps, on peut entendre le directeur qui fait un discours, il dit « Grâce à mes décisions, j'ai amené ma société à un chiffre exceptionnel, etc. etc. » Il parle comme si il y avait que lui. Il ignore complètement tous les autres. Mais en fait, sans tous les autres, il n'aurait rien fait du tout. Donc c'est comme s'il négligeait, comme tu me parlais avant, de mes pieds, de mes mains et de ma respiration, il oublie tout ça. C'est tellement automatique.
que ça fait partie de lui. En fait, c'est très généreux, c'est que ça fait tellement partie de lui qu'il oublie tout ça. Généreux, je ne suis pas sûr. C'est plutôt une forme de déni. Tu vois, si par exemple je dis j'ai fait une superbe formation d'hypnothérapeute, je suis fier de moi, etc. Ça n'a pas tout à fait la même couleur que si je dis grâce à toutes les parties inconscientes de mon être, grâce à toutes ces choses que je ne maîtrise pas, j'ai réussi, ou l'ensemble de mon être a réussi à devenir hypnothérapeute. Il commence à y avoir un respect de la base, il commence à y avoir une collaboration avec, avec toutes ces parties inconscientes. Mais j'aimerais revenir sur cette notion de l'esprit inconscient, parce que là j'ai dit son existence, mais je n'ai pas donné le moyen de la sentir. Alors ce moyen, il existe, il est assez simple, c'est les rêves. Quand tu fais un rêve, il y a un scénario, il y a de l'intrigue, il se passe des choses, il y a de la créativité, il y a un univers complet. Mais il n'y a pas de conscience. Sauf dans certains cas, dans les rêves lucides, mais ça c'est encore autre chose. Dans le rêve traditionnel, il n'y a pas de conscience. C'est le lendemain matin quand tu te réveilles que, de temps en temps, tu prends conscience que tu as vécu un truc avant. Oui. Ça veut bien dire que il existe un esprit qui est capable de faire des tas de choses sans conscience. Et c'est avec cet esprit-là qu'on va travailler en hypnose. Et c'est cet esprit, on pourrait le comparer à une sorte de cheval fou, finalement. Comment il s'agit de le dresser ou le redresser ou lui donner un semblant de raison, parce que dans les rêves, ça part dans tous les sens, c'est pas forcément cohérent, enfin par rapport à l'idée qu'on a de cet aspect rationnel des choses, en tout cas. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cet outil inconscient, il est à notre service et il est capable de faire des merveilles. Là, récemment, je me suis mis à faire de la slackline. J'étais complètement sidéré. En quelques minutes, notre esprit inconscient peut commencer d'intégrer des réflexes et d'apprendre à faire des choses de manière automatique. C'est-à-dire que les erreurs qu'on fait lors des premiers pas en slackline, on les fait 3-4 fois, et puis ensuite, c'est bon. Le corps a appris automatiquement à se balancer d'une certaine manière pour rester dessus. C'est un outil extraordinaire qui nous rend service, mais à chaque instant. On ne peut que lui faire confiance. Mais, il y a un petit... Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, dans le sens-là? Alors, on a le choix. Tu vois, si par exemple, tu es en train de perdre le contrôle de ta voiture, tu vois, il y a les deux arbres, il y a l'espace entre les deux arbres, tu peux commencer de réfléchir. Oui, alors quand j'étais à l'école, j'ai fait des cours de physique, donc le frottement sur la route, je m'étais déjà dans l'arbre. Oui, donc là, on n'a pas le choix. Si, tu as le réflexe. Tu peux garder le contrôle. Ne pas laisser, okay. Tu peux ne pas laisser le réflexe faire son travail et puis rester dans le contrôle total, mais tu te plantes. Ok, ça je pensais que c'était pas possible. J'ai eu droit à 2-3 accidents où je vois que les choses se font par elles-mêmes, qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a de toute façon une part qui se fait de manière automatique. Tu peux pas mettre en hibernation l'ensemble de l'usine, mais tu peux garder un contrôle plus ou moins grand. Là, dans la métaphore, c'est comme si le directeur, tout à coup, décide qu'il va les peindre lui-même les machines parce qu'ils ont du retard. Ça ne va pas le faire. Il ne sait pas peindre. Enfin, ça ne va pas le faire. Quoi. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est de faire confiance à l'inconscient. Je reviens sur le mais. Oui. Le mais, c'est qu'on a appris des trucs de travers. Exemple, un enfant qui adore l'école va à l'école tous les matins. Il est heureux d'aller à l'école. Qu'un jour, il revient d'une journée... C'était pas son institutrice habituelle qui était là, c'était une remplaçante, une peste. Et à l'aide de cette journée, il est cassé. Il se dit, mais comment je vais faire pour supporter une autre journée comme ça? Il passe la moitié de la nuit à faire des cauchemars. Il se lève le matin, il touche même pas son petit déjeuner tellement il est dans l'angoisse d'aller à l'école. À sa maman qui voit ça, elle dit, mais t'as pas faim? Évidemment, il a l'estomac tout noué, il dit, c'est pas bien. La maman lui dit, tu vas rester à la maison aujourd'hui. Le gamin reste à la maison, il retourne à l'école le lendemain, tout va bien, c'est de nouveau son institutrice. Il oublie totalement ce passage. 30 ans plus tard, il est jeune cadre dynamique dans une société, il se lève le matin, il est heureux d'aller travailler, son chef direct, c'est le directeur général, c'est un type super, tout va bien. Puis un jour, il y a le conseil d'administration qui décide de changer le directeur. Il se retrouve avec un autre directeur qui est insupportable. Alors il aimerait bien de tout son corps trouver un moyen pour ne plus retourner au travail. Mais il a l'obligation d'y retourner.
qu'est-ce qu'il va faire ? Son esprit inconscient va lui coller un mal de ventre. Parce que c'est la seule chose que son esprit inconscient connaisse comme solution pour lui permettre de ne pas aller dans un truc du monde extérieur où il a envie de ne pas aller. Il va faire quoi ? Il va aller voir le Toubib, il va manger un cachet, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'il va faire l'inconscient ? Il va monter le volume un petit peu. Il va retourner à l'usine, il va prendre un autre cachet plus fort, jusqu'à ce qu'il fasse un ulcère perforé. Là, c'est plus question d'aller à la boîte, quoi. C'est hôpital. Puis là, son inconscient, il est content. Il a rempli sa mission. Mais il faut bien voir que la mission que lui donne l'individu, c'est « Ah, mais je ne peux plus aller travailler dans cette ambiance, je ne veux plus... » Le pire dans tout ça, c'est que peut-être même ce nouveau cadre, il est peut-être même pas si désagréable que ça. C'est qu'il le crée de toutes pièces juste parce qu'il est différent de ce qu'il a l'habitude. Ça pourrait aller dans ses extrêmes. Il pourrait utiliser une autre stratégie, et puis plutôt que d'essayer de fuir le cadre, le directeur, il pourrait essayer d'apprendre à le connaître. Il pourrait se dire, bah tiens, on va rompre la glace, je vais l'inviter à dîner un jour. Ou... Il y a 1000 autres stratégies. Simplement, tant qu'on est dans un scénario où il m'arrive quelque chose et je laisse mon inconscient utiliser ce qu'il connaît pour choisir le comportement que j'aurai à ce qui m'arrive, on risque de partir dans des comportements qui sont inadaptés et qui nous font souffrir. Donc, en gros, merci au problème d'estomac, parce que ça nous fait voir que peut-être à un endroit, il y a un automatisme qui a été mis, qui n'est plus nécessaire, enfin, qui est handicapant aujourd'hui. Donc, on pourrait aller traquer cet événement dans l'inconscient. Mais sinon, s'il n'y avait pas ces événements douloureux, on continuerait à fonctionner en mode automatique constamment sans faire de mise à jour dans cette manière de fonctionner. Tout à fait. L'élément douloureux, c'est simplement un indicateur qui nous dit qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire autrement. Et donc là, on revient à l'hypnose, et parce qu'il y a plein de manières justement de se dire « Ah, on pourrait faire les choses autrement ». Mais là, donc, avec l'hypnose, paf, qu'est-ce qui se passe ? C'est le moment là de me dire « Comment on fait ça ?» Il y a encore des paramètres à rajouter. Il y a encore un petit truc à... Alors, je déplie ma jambe parce que je commence à... Sans problème. Voilà. Enfin, je la plie autrement. Ça va ? Oui. Nickel. Le petit truc supplémentaire, c'est de comprendre que quelque part, on est la somme de toutes les expériences qu'on a vécues jusqu'à maintenant. On ne peut pas être quelque chose qu'on n'a pas vécu. Hein? C'est que les choses qu'on connaît qui forgent ce qu'on est. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, on n'est pas la somme pondérée des expériences qu'on a vécues, mais on est le souvenir de ça. C'est-à-dire que si tu as fait une expérience et puis que tu as un souvenir de cette expérience, ce que tu es dépend de ce souvenir de cette expérience. Si on ne change pas... On dit que l'acte, le fait réel, c'est 5%, puis après, c'est le 95%, c'est ce qu'on en fait. C'est ça. C'est le souvenir, donc. C'est ça, c'est le souvenir. Si tu ne changes pas l'expérience, de toute façon, c'est impossible de la changer, mais que tu en apprends quelque chose de plus. Là, par exemple, tu as entendu un ami dans un bistrot par hasard dire du mal de toi. Tu te dis, oh non, mais quand même, hein, ça t'es grinche, t'es pas content avec ça. Puis, quelques temps plus tard, t'apprends par un autre biais qu'il a dit du mal de toi pour te protéger parce qu'il parlait avec quelqu'un qui te voulait du mal. Là, tu te dis, ah non, mais c'était sympa. L'expérience, elle n'a pas changé, c'est juste le souvenir que tu as de l'expérience qui enrichit, t'as une nouvelle compréhension, et cette nouvelle compréhension, elle change. Donc le mensonge est valable dans ces cas-là. Tout est valable pour arriver à son but. D'accord. Pardon, je te recoupe. Pas de problème. C'est vraiment important de voir que si tu apprends quelque chose de plus d'une situation, ça change l'impact qu'elle a sur toi. Donc l'hypnose, c'est juste ça. C'est d'aller revisiter des éléments, les revisiter de manière à en apprendre quelque chose de plus. Alors souvent, quand on a vécu des éléments douloureux, on ne peut pas aller les revisiter directement parce que ça fait trop mal. Donc on peut aller les revisiter, mais d'une manière un petit peu différente. Par exemple, on peut faire quelque chose comme imaginer qu'on est quelqu'un d'autre en train de regarder ce qui se passe, de regarder ce qui nous est arrivé à cette époque-là. Et là, on commence à voir les choses d'une manière différente. Alors, dans notre état de veille normal, c'est assez difficile de se mettre à la place d'un autre qui nous regarderait faire un truc. Mais dans la transe, on fait appel à toutes les capacités de notre esprit inconscient, et puis là, ça se fait d'une manière
très facile. Donc là, tu viens d'utiliser un mot où mon système interne a fait aïe, 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 c'est la transe. La transe. La transe, oui, parce que je crois que aussi là, peut-être, on a communément, dans l'être humain, on a une idée de la transe qui est peut-être loin de... Enfin, entre le mot et la chose, peut-être qu'il y a une grosse différence. Oui, tout à fait. Alors la transe, pour la plupart des gens, c'est je fais clic comme ça, puis je tombe dans une espèce de catalepsie, je ne sais plus qui je suis, je on fais... On voit ces derviches tourneurs là qui tournent, enfin qui font des danses pendant des heures et des heures pour arriver à un état second. Enfin, on a ces deux idées-là à peu près, hein, entre le magicien et ce fou dansant. Ouais. La transe, on la connaît tous. C'est par exemple quand tu es en voiture en train de conduire, tu sais pas que tu es en train de conduire. C'est un moment où tu as ton esprit qui vagabonde quelque part, tu sais pas où. Et puis tu laisses faire tout le reste. C'est tu es en train de lire un livre. T'es perdu dans ton livre, le monde à l'extérieur a disparu, mais la fonction lecture qui continue de fonctionner, toutes les fonctions du corps continuent de fonctionner. C'est juste ça la transe. Elle peut être plus ou moins. À quelque part, pour le commun des mortels, on est en transe la plupart du temps. On est en transe tout le temps, plus ou moins profondément. Mais avec une partie consciente ou moins. C'est-à-dire qu'effectivement, exactement. En voiture, souvent, on est pris dans la radio, dans nos petites histoires de la tête, donc il y a une forme de transe, mais des fois, ça nous amène à même oublier la sortie d'autoroute ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est comme des transes plus profondes. Oui. Un exemple assez intéressant. Désolé, j'ai perdu le fil. La transe. Oui, la transe. La transe. Je ne sais plus, je voulais donner une illustration. C'est pas grave. Ça va revenir. 741. Bah tu vois, tu ne l'as pas oublié. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette transe? Ah oui. Il y a quelque chose d'assez magique dans cette transe, c'est que on a... Enfin, il y a cette peur que l'autre puisse prendre le contrôle ou de perdre le contrôle. Une des premières fois que j'ai hypnotisé... Donc dans une circonstance, un cas d'hypnose, on va dire. Oui, tout à fait. Pas au quotidien, là tu parles vraiment de... Oui, on n'a pas cette peur au quotidien, on devrait, mais on l'a dans le cadre de l'hypnose parce que c'est provoqué. Donc la première fois que j'ai fait une séance à mon ami, qui s'appelle Pascal, à la fin de la séance, elle m'a dit « ça n'a pas marché ». J'ai dit « qu'est-ce qui te fait penser que ça n'a pas marché ?» Elle m'a dit « je me souviens de tout ». Puis là je lui dis « mais c'est normal, j'ai demandé à ton esprit inconscient de te permettre de te souvenir de tout ». Puis là elle m'a dit « ah ben ça je ne me souviens pas ». Comment tu ferais pour te souvenir d'un truc dont tu ne te souviens pas? Comment tu ferais pour te souvenir qu'il y a un truc dont tu ne te souviens pas? Comment je ferais? C'est une vraie question. Donc, comment je ferais pour me souvenir d'un truc que je ne me souviens pas? C'est d'essayer de me remettre dans les circonstances, c'est-à-dire recréer le décor de quand ça s'est passé ce moment-là, puis l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Quand tu es venu jusqu'ici en voiture, il y a sûrement 1000 choses dont tu ne te souviens pas, mais comment tu ferais pour t'en souvenir? En fait... Eh bien, j'irai voir un hypnotiseur. Par exemple. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que dans la vie, on est sans arrêt en train de zapper des tas de choses. Qui ne nous servent à rien. On les zappe. Voilà. Ben, quand tu fais une séance d'hypnose, à la fin de la séance d'hypnose, tu te souviens de ce qui te sert à quelque chose. Puis le reste, ton inconscient, il s'en souvient. Lui, il a tout enregistré. Mais ta conscience, elle ne garde que ce qui est nécessaire. Maintenant, si je demande pendant la transe à la personne de faire quelque chose qui est profondément contre ses convictions, elle va sortir de transe instantanément. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs internes qui interdisent certaines aberrations. On s'autoprotège de toute façon. Donc il y a quoi? Donc un risque. Enfin, le risque, il existe. Il n'y a pas plus de risque de regarder la télévision. Ah non. Sûr. Archi sûr. D'ailleurs, j'allais dire, il y a un risque. Le risque, c'est la répétitivité. Si j'ai un client qui vient 50 fois, sur les 50 fois, je peux petit à petit changer ses convictions, puis l'amener à faire quelque chose qu'au début, il n'aurait pas voulu faire. C'est exactement ce que donc, fait la télévision. En gros, à chaque 50 fois, tu lui dis, quand je vais dire le mot jambon, tu vas te servir du thé.
Il y a bien des chances qu'à un moment donné, quand tu lui dis moi, non, je vais pas le faire d'une manière aussi abrupte. Je vais commencer par lui expliquer que sa conception du thé est pas tout à fait la conception qui englobe tout, mais qu'on peut considérer le thé comme quelque chose d'un peu différent. Et puis gentiment, il faut mettre en scène, on va dire. On déplace la conception jusqu'à trouver une évidence là-dedans, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ce serait vraiment ça se fait pas quoi. Enfin, il faut vraiment être tordu pour arriver dans ces choses-là. Il y a deux trois histoires de thérapeutes qui auraient abusé de leurs patients, mais je pourrais par exemple insinuer que ce serait vachement bien de me payer deux fois plus que ce qui était prévu ou des choses comme ça. Mais je crois pas que ça marcherait vraiment. Ouais. Et puis. Enfin, voilà. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Bon, il y a des charlatans. On m'a dit qu'il y avait des charlatans partout. Donc peut-être qu'il y en a aussi dans l'hypnose. Certainement, donc... certainement. Mais il y a des charlatans aussi dans les médecins traditionnels. Il y a des charlatans dans la justice. Il y a des charlatans. Ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ces petites vidéos. C'est aussi pour voir le climat qu'on s'offre, toi et moi, là déjà en l'occurrence. Que les personnes puissent te rencontrer aussi par le biais de ça et de voir, ça c'est une autre forme d'hypnose qui est quotidienne, c'est est-ce qu'on a du feeling avec une personne ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Au-delà de toutes ces choses qui sont plus... Un truc encore important à dire, c'est que il y a des gens qui sont très suggestibles puis des gens qui sont beaucoup moins suggestibles. Donc par exemple quand influençable. Quand il y a ces hypnoses de spectacle, le gars qui fait son show, il va identifier dans le public les gens qui sont le plus suggestibles et c'est ceux-là qu'il va prendre pour faire son show. Il y a des gens, il pourrait jamais les hypnotiser en faisant son claquement de doigts comme ça. Donc genre le commandeur soldat qui s'est entraîné à rester présent même malgré la douleur, les heures de veille et tout ça, c'est lui ça va être plus difficile c'est, ou même c'est pas forcément lié à ça. Non. D'accord. Non, c'est assez difficile à trouver quelles sont les causes. Par contre, c'est assez facile de voir la suggestibilité déjà. Tout à fait. D'ailleurs, l'exercice du 741, il me sert aussi à observer. Donc alors, de 1 à 10, je suis... Toi, t'es au milieu. Tu es au milieu. Toi, t'es au milieu. Oh, ouais, t'es un bon moyen. Alors, c'est important que les gens sachent qu'on ne peut pas les hypnotiser s'ils ne sont pas d'accord de faire l'expérience. Par exemple, il y a des gens qui vont voir des spectacles d'hypnose puis qui disent « Oh, mais moi, de toute façon, j'y crois pas. On ne pourra pas m'hypnotiser. » Mais s'il n'y croit pas, pourquoi il va voir le spectacle? Donc, l'hypnotiseur de spectacle, souvent, il pose la question au public il pose la question « Est-ce qu'il y en a ici qui n'y croit pas ?» Il y a quelques-uns qui lèvent la main, c'est des bons candidats déjà, parce que ils sont dans une espèce de dilemme. Il y a une partie d'eux qui veut pas qu'on sache qu'ils s'y intéressent, donc ils affirment très haut, très fort, non, non, moi j'y crois pas, moi de toute façon ça ne prendra pas sur moi. Mais il y a une partie qui est... Donc ils se cachent plus que les autres de leur inconscient. Oui, tout à fait. Donc sur ceux-là, il y a plus moyen de rentrer, de trouver la faille. Par contre, en hypnose thérapeutique, même les personnes qui ne sont pas du tout suggestibles peuvent s'autoriser à rentrer en transe. Donc si moi je me dis en tant que client ou patient, ouais bon, je ne sais pas vraiment si ça va marcher cette affaire, mais je vais quand même aller voir, ça ne veut pas dire, de par ce commentaire-là, enfin cette attitude face à l'hypnose, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Non. Si tu as envie de faire l'expérience, ça fonctionnera. Donc si c'est ma femme qui m'a offert... un bon pour chez un hypnotiseur, mais que j'y vais parce que bon, y a quand même une partie de moi qui a envie d'y aller vu que j'y vais. Donc ça peut quand même fonctionner. Ça fonctionnera. On peut essayer tout de suite si tu veux. Oui, mais tu m'as tellement hypnotisé que il fallait que je me souvienne des prénoms. Ouais, c'était ça. Il y a d'autres choses, hein, mais pourquoi pas celle-là. Non, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux? Non, l'idée c'est d'expérimenter une petite transe, donc une mise en transe relativement rapide, ce sera pas une transe très profonde. Je vais faire un petit travail pour cette histoire des prénoms, et puis après on va ressortir, et puis tu nous donneras tes impressions.
si ça te va. Ça me va bien. Ouais. Super. Toujours à fond motivé pour de nouvelles aventures. J'ai te demandé de poser. Oui, on va poser ça. Le micro. Ouais, tu veux pas le garder toi. Mais je le pas. Garde. Mais je sais pas préfère... si t'es à l'aise. Justement. Non, je préfère avoir la liberté je, de mes. Je pense que ça ira. Il y a pas trop de bruit extérieur. Puis je te demande de poser tes mains. Comme ça. Juste pas croisées. Ouais. Mm. T'es à l'aise comme ça. Ouais, ça va. Si tu t'assoupis un peu, ça va pas tomber. Non, ça va. Je suis bien calé. Ok. Ouais, je suis bien calé. Ok, super. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de prendre une grande respiration. Ah, c'est nickel. Et puis, d'observer ton corps pour voir s'il y a des parties qui sont encore tendues, mais qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette position confortable. Un peu, je te le dis ? Non, non. Non, okay. T'observes. Ouais. Je dirais, pendant que tu inspires, tu observes, puis pendant que tu expires, tu laisses partir les tensions. Tu vois comment, à l'expire, ça permet de libérer ces tensions. Et puis là, je t'invite à fermer les yeux, parce que ce sera beaucoup plus confortable. Et pendant que tu continues à respirer, j'invite à mettre le faisceau de ta conscience sur tes mains et d'observer ce contact entre ta main et ton genou. Observer si c'est le genou qui ressent la main, ou si c'est la main qui ressent le genou. Et pendant que tu entends le son de ma voix, pendant que tu entends les variations dans la tonalité de ma voix, et en même temps que tu vois quoi que ce soit qu'il y ait à voir derrière tes paupières closes, tu peux continuer de détendre toutes les parties de ton corps, de détendre même les parties auxquelles on ne pense pas le plus souvent, comme le cuir chevelu, les oreilles, les pommettes. Et en même temps que, entre les mots que je prononce, tu entends quelques silences, tu peux aussi percevoir quelques sons dans le lointain. Et tout cela te permet d'aller encore plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et tu continues de voir quoi que ce soit qu'il y ait à voir derrière tes paupières closes. Et tu continues à sentir cet espace entre ta main et ton genou. Et tout cela te permet d'aller de plus en plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et le fait même d'entendre le son de ma voix, automatiquement, te permet d'aller encore plus profondément, de plus en plus profondément, vers l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même où se trouve toutes tes ressources, tous tes souvenirs, tous tes apprentissages. À l'intérieur de toi-même où se trouve toute la puissance de ton esprit inconscient, toutes ses facultés comme celle de se souvenir des choses, comme celle de te procurer des images, des souvenirs de ces choses. Toutes ces facultés de ton esprit inconscient sont là, profondément à l'intérieur de toi-même, et au fur et à mesure que tu entends les sons de ma voix, tu vas de plus en plus profondément à l'intérieur de toi, rencontrer ces ressources, ces apprentissages. Excellent. Et il est si agréable, à l'intérieur de soi, d'observer cet espace qui peut parfois paraître tellement plus grand que tout l'environnement qu'il y a à l'extérieur, un espace à l'intérieur de soi, si vaste qu'il pourrait contenir tout l'univers. Et je t'invite à observer quoi que ce soit qu'il y ait à observer
à l'intérieur de toi. Et en cherchant bien à l'intérieur de toi, il se peut que tu puisses trouver un lieu qui ressemble à une bibliothèque, un lieu avec des livres classés, des milliers de livres. Et là, dans cette bibliothèque, il y a le bibliothécaire, avec lequel tu peux dialoguer à travers le guichet de la bibliothèque. Et à chaque fois que tu vis une expérience, tu apportes le manuscrit de cette expérience au bibliothécaire qui va aller l'arranger quelque part à l'intérieur de cette immense bibliothèque. Et à chaque fois que tu as besoin d'une information, tu appelles le bibliothécaire. Tu l'appelles pour lui demander de retrouver cette information dans la bibliothèque. Et il est important de lui laisser le temps d'aller chercher l'information. Car si tu restes au guichet à lui demander quand est-ce qu'il apportera cette information, il ne trouve pas le temps d'aller chercher l'information. Tu peux découvrir à quel point tu peux lui faire confiance, il est à ton service. Tu lui demandes quelque chose et il te l'apportera au plus vite. Et en attendant, tu peux te permettre de faire quoi que ce soit que tu aies envie de faire en faisant totale confiance au bibliothécaire. Et je t'invite à prendre contact avec ce bibliothécaire et à lui demander comment il souhaite que tu l'appelles. Peut-être a-t-il un prénom. Discute avec lui pour savoir comment il souhaite collaborer avec toi, comment il pourrait améliorer son efficacité, comment il pourrait trouver le temps de ranger cet endroit là-bas où il a stocké des tas de choses sans jamais avoir eu le temps de les trier, de les ranger, de les catégoriser, de mettre des étiquettes dessus. Elles sont là, il sait qu'elles sont là. Mais quand tu vas lui demander une information, il a de la peine à la trouver parce qu'il n'a encore pas eu le temps de mettre de l'ordre là-dedans. Discute avec lui comme s'il était l'employé de ton industrie, un employé à ton service total, et demande-lui comment tu peux lui permettre d'être encore plus efficace. Et puis, en prenant tout le temps qu'il te faut, en te sentant en pleine forme, je t'invite à te réorienter à ton rythme vers le monde extérieur. Ici, en face de la caméra, et dès que tu le sens, tu pourras réouvrir les yeux. Merci André. C'est Cédric. Excellent. Ça a marché. Comment était cette expérience ? Eh bien, agréable. Mm-hmm. En tout cas, en tous les cas, pas désagréable. Que dire de plus ? Effectivement, il y a toute cette rentrée à l'intérieur de soi, il y a toute cette imagerie qui est créée par ta voix. Il y a quand même un moment donné où j'ai failli partir dans un éclat de rire. C'est autorisé. Hein. C'est autorisé, mais je me suis dit, reviens dans ton truc. Mais je voyais vraiment mon esprit en fait, qui partait un bout, puis une autre partie qui était là, plus en contrôle, on va dire, et qui restait plus présent en fait, dans mm-hmm. ce ici et maintenant,
et qui, elle, décollait pas de cet endroit-là. Ouais, il essaye à comprendre, d'analyser. En tout cas, oui, il fait son job comme il a l'habitude de faire, ce gardien-là. Et après, oui, il y a une autre partie, c'est comme... C'est comme, finalement, ce Nestor, patron de la bibliothèque, mais il est avant Nestor, en fait. Et puis lui, il va jusqu'à la bibliothèque. Il s'appelle Nestor. Qui s'appelle Nestor ? Le patron de la bibliothèque. Il s'appelle Nestor. Bon, très bien. C'est toi qui viens de le dire ? Ben oui. Ben oui. Voilà, il s'appelle Nestor. Donc l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui va voir Nestor, mais c'est le même principe. Mm-hmm. C'est le même principe. Voilà. Alors, évidemment, on peut se demander comment un processus comme ça pourrait bien marcher. Mm-hmm. Mais... l'idée, c'est que ça te permet d'avoir une vision différente sur le processus de mémorisation et de recherche de l'information. Ça te permet d'avoir une idée plus tolérante envers ton inconscient, où tu te dis, bon, je lui fais confiance, il va me trouver le truc. Oui, effectivement, c'est bien, ça me relance aussi dans les mémoires de cette bibliothèque. Mais ce qui était drôle avec ce personnage, ce bibliothécaire, c'est qu'au début, il avait ton... Ah, c'était toi. D'accord. Et puis, ça m'a fait rire. Et puis après, en fait, derrière toi, il y a eu cet autre personnage qui, lui, était habillé dans un costume très des années 60 ou 70, avec, tu sais, la cravate, chemise blanche, costume noir, hyper sévère, hyper strict. En même temps, ce côté très... presque, il me faisait presque peur, tu vois. Il m'effrayait un petit peu. J'étais pas à l'aise avec lui. Et donc, c'est aussi assez rigolo de voir... de l'idée que je peux avoir inconsciente du gardien de ma mémoire. Ouais, et puis de voir qu'il y a des émotions qui sont liées à ça, et que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait découvrir simplement en restant dans l'univers conscient. Et c'est presque finalement, à quelque part, un peu une figure d'instituteur qui te dit « souviens-toi de ça ». Et pour un enfant, c'est des fois un petit peu... il y a trop de pression. Exactement. Et c'est ça, avec ce dialogue qu'on parlait, il me disait, mais reste calme en fait. Quand tu rencontres une personne, vu que c'était les noms, ben, reste calme à un endroit. Mm-hmm. Il m'a pas dit quel endroit, mais enfin, il y a quelque chose qui est suggéré en tout cas. Ouais. Ouais. C'est bon. Je suis guéri, docteur Parot. Peut-être que d'ici maintenant et le montage de la vidéo, déjà il y aura des changements. Alors peut-être que je ferai un petit texte défilant qui me dira oui, effectivement. Ouais. Fait... Ou pas. Ou pas. Oui. D'ailleurs, le gars qui m'a hypnotisé, je sais plus son nom, ça marche pas. donc pour des. Je sais pas. Là, juste si on reprend juste ce cas que j'ai proposé, c'est-à-dire la mémoire des prénoms, qui peut être vraiment handicapant selon ce qu'on fait dans la vie, on ne sait jamais finalement à quel point c'est difficile de récupérer quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quel point il y a eu un trauma et combien de fois aussi il faudra passer par l'hypnose. Je ne sais pas si ça colle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la faculté de retrouver, elle est toujours là. Après, s'il y a eu un trauma, s'il y a eu une longue habitude de vivre dans ce traumatisme, on a creusé un espèce de sillon, comme quand tu passes avec une voiture plusieurs fois dans le champ, ça creuse un sillon de plus en plus profond, puis quand t'es dans le sillon, c'est vraiment difficile d'en sortir. Le truc, c'est de plus rentrer dans le sillon. Mais la fonction, elle est toujours là. Donc, si tu arrives à faire suffisamment confiance à la fonction, ça marche. Moi, quand j'oublie un truc, j'arrête simplement de le chercher. Et en arrêtant de le chercher, ça revient. L'exemple qui me vient, j'avais oublié mes clés de voiture un jour, et je dis, ah mais, je cherchais partout pendant un moment. Je me dis, bon, on va faire confiance à l'inconscient. Donc je me suis dit à l'intérieur, ok, bibliothécaire, là, tu vas me permettre de retrouver mes clés, puis en attendant, je vais faire un autre truc. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, moi, je vais aller faire la vaisselle. Mais pour faire la vaisselle, fallait que j'épluche des patates qui étaient dans un corlet dans l'évier. Bon, alors on va éplucher les patates. Alors j'ai ouvert le tiroir où il y a l'éplucheur et il y avait mes clés. Je les aurais jamais trouvées là. D'ailleurs, pourquoi t'as mis tes clés là?
Machinalement. D'habitude, elles sont dans le frigo à côté de la télécommande. Tout à fait. Machinalement, parce que j'étais en train de faire un truc, il y a le téléphone qui a sonné, j'ai posé mes clés où elles étaient, puis j'ai oublié. Mais mon esprit inconscient, lui, il savait exactement où elles étaient. Mais il faut lui laisser la possibilité de nous le donner de manière inconsciente. Et du coup, le fait que ça se remette en place en nous, c'est-à-dire que de lui laisser cette place pour se rappeler, remémorer des choses qu'on a perdues ou qu'on ne se rappelle plus, finalement, déjà, on est dans une forme de ré-auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on consolide quelque chose qui n'était plus possible avant, et à chaque fois qu'on va se laisser le temps de retrouver et qu'on va retrouver, c'est comme si on s'éloignait de cette amnésie. On consolide la confiance qu'on fait à notre bibliothécaire ou à toute autre partie de notre esprit inconscient. Donc c'est là qu'on travaillerait avec notre inconscient, finalement. Tout à fait, tout à fait. On lui fait confiance. Si on a un conflit intérieur, ben il faut rassembler les parties de ce conflit intérieur et puis se rendre compte qu'il n'y a personne qui veut notre mal à l'intérieur. Il y a juste des incompréhensions, il y a juste un manque d'informations. Et puis essayer de trouver des informations complémentaires, puis surtout de retrouver la confiance. Tu vois, si le gars qui fait son ulcère perforé, qui se retrouve à l'hôpital, il va dire quoi? La plupart des gens, ils vont dire « Ah, saleté de maladie, ça m'empêche d'aller bosser, zut !» Celui qui a compris qu'en fait c'est une réaction de son esprit inconscient pour lui permettre d'éviter d'aller au travail parce qu'il ne le supportait plus, dit oh, « Ok, bon... » Merci. Quelque chose en premier voilà. temps, après peut-être de comprendre que c'est le travail. C'est une rééducation en fait. Merci de t'occuper de moi, mais là je pense qu'on va essayer de trouver une autre stratégie parce que voilà. Mais là il va peut-être prendre conscience que le fin mot c'est qu'il y a un problème avec son patron, avec son directeur et puis qu'il faut trouver quelque chose quoi. Mais s'il est dans l'attitude de dire. De faire confiance à son esprit inconscient, puis de se dire « Ok, ça me fait mal, mais il le fait pour mon bien. » On est déjà dans une attitude de collaboration et on va vers la guérison. Alors que si on est dans une attitude de « Non, non, cette saleté d'esprit inconscient, il faudrait l'élaguer parce qu'il ne fait que de m'empoisonner. » c'est le directeur d'usine qui enlève un département parce que c'est des râleurs, là, on va les virer, quoi. Donc alors, en tout cas, merci pour tout le tour de piste que tu nous offres. Et la question qui me venait, c'était, toi, en tant qu'accompagnant dans ce processus, c'est comme si tu es le gardien du rêve, j'ai envie de dire. Et à quelque part, de ce que j'ai pu sentir là, à travers mon exemple de perte de prénom, tu avais comme... c'est comme si d'un coup, tu as été formé pour être le gardien des rêves et du coup, comme s'il y avait certains archétypes différents de certaines choses qu'on oublie ou qu'on perd ou qu'on met sous le voile. Et finalement, ma question, c'est comment on devient gardien de rêve? Qu'est-ce qui influence justement l'accompagnement? C'est-à-dire, comment on se forme à cet accompagnement-là de manière globale, peut-être juste à travers cette formation d'hypnose, mais peut-être au-delà, à travers d'autres choses que tu as vécues toi dans ta vie, et en même temps, donc, qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu fais ça aujourd'hui aussi? Qu'est-ce qui t'amène à l'hypnose aujourd'hui? C'est une très vaste question. Oui, c'est peut-être un peu trop énorme, enfin, prends les bouts que tu as envie. Hein. Je vais faire un petit passage accéléré à travers les étapes principales. La première étape, je pense que c'est dans ma vie la naissance de mon fils aîné, qui est autiste profond, avec lequel j'ai été visiter des tas de médecins, de psychiatres, etc. Et puis je suis arrivé à la conclusion que dans ces cas-là, il n'y a rien à espérer de ces gens-là. Quoi. C'est juste, ça les dépasse. Quoi. Mais ça m'a apporté quelque chose, c'est que à cette époque-là, je séparais le monde en deux catégories. Il y avait d'un côté ceux que j'estimais être cons, puis d'un autre côté ceux que j'estimais pas être cons. Et mon critère, c'était, s'ils ont à peu près compris les trucs que je leur dis, ils sont pas cons, puis s'ils comprennent pas, ils sont cons. Enfin, c'était vraiment basique. Mais avec la naissance de mon enfant, je me suis rendu compte que je pouvais pas le classer ailleurs que dans ma catégorie des cons. Mais j'aimais profondément un con. Donc, il y avait un bug, un gros dilemme. Donc, j'ai dû commencer de me rendre à l'évidence.
Il y a d'autres qualités dans la vie que simplement une capacité intellectuelle à faire un raisonnement philosophique ou scientifique. Il y a des capacités dans la vie qui sont immensément plus magnifiques que ça. La première fois que mon fils, donc il avait passé 3 ans, la première fois que mon fils est venu me voir, puis qu'il m'a mis la main sur l'épaule comme ça, ça m'a bouleversé à l'intérieur, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que, ouais, mais bon, jusqu'à maintenant, j'étais limité à un truc intellectuel. Il y a tout un univers à côté. Donc j'avais envie d'explorer cet univers à côté pour aider mon fils aussi, mais aussi parce qu'il y avait ce dilemme. J'ai commencé par faire un grand voyage dans le monde du chamanisme. Et puis un jour, sur ma boîte mail, je reçois une invitation à une formation en hypnose pour personnel non médical. Je me dis, bon, ça m'a toujours un peu intéressé, je vais aller voir ce que c'est. Alors je me suis retrouvé à Paris, à l'Institut Xtrema, à écouter un type nous expliquer ce que c'est que l'hypnose. Et en écoutant ce qu'il disait de l'hypnose, je comprenais ce que je faisais quand je pratiquais le chamanisme. C'est-à-dire que j'ai réalisé que ce que je faisais de manière instinctive, sans vraiment savoir qu'est-ce que ça mettait en place, c'est juste la même chose que ce qu'on fait en hypnose, mais on y met d'autres noms. En chamanisme, on va parler d'entité. En hypnose, tu as vu, je parle d'une partie de toi-même qui, d'une autre partie de toi qui, etc. C'est des sortes d'entités. On désigne la même réalité, mais avec des noms, des mots différents. Et tu parles de chamanisme, c'est vrai qu'il y a souvent des chants aussi à travers le chamanisme, et quand tu me parlais tout à l'heure durant cette hypnose, c'était très drôle parce que dans ta voix, j'entendais un chant à quelque part. Ça veut dire qu'il y avait, ça partait dans le... Et très subtil, mais en même temps, ça créait toute une atmosphère, ça allait... Ça me faisait rentrer dans une sorte de tube, quand même. Hein. Ouais, la tonalité de la voix, elle change au fur et à mesure de la transe. Au début, je te parle, voilà, tu respires, tu prends une grande respiration, et puis tu ressens à l'intérieur de toi, et puis je vais de plus en plus profondément à l'intérieur. Ça nous rappelle le serpent K. Oui. oui, tout à fait. Ouais, que j'ai mis d'ailleurs comme logo dans mon site pour la page, enfin la partie de ma page qui parle d'hypnose. Ah ouais, bien tombé. Tout à fait. Et donc alors, oui, tu parlais de ce chamanisme, de cette approche qui était finalement assez la même que dans l'hypnose, sauf que c'est d'autres termes génériques qui sont utilisés. Ouais, ça se rejoint finalement. Ça se rejoint. Donc, c'est quoi? C'est une manière de pouvoir utiliser le chamanisme en Suisse? Non. C'est vraiment pas ça du tout. Je pense que à peu près toutes les formes de thérapie visent à la même chose, mais simplement on met des mots différents dessus. Puisqu'on évoquait le chamanisme, il y a un gars, Benny Shannon, qui a écrit une thèse. Il a recueilli des milliers de témoignages de gens qui ont fait des voyages chamaniques. Mm-hmm. Et puis il les a catégorisés pour voir quel genre d'expériences font quels gens. Alors il y a plein de gens qui voient par exemple des animaux. Il y a plein de gens qui voient des êtres de la mythologie religieuse. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que usuellement, les chrétiens voient des figures chrétiennes, et les musulmans voient des figures musulmanes. Donc en fait, ma théorie, c'est que ils sont en présence de quelque chose, d'une entité. Et pour la nommer, ils sont obligés d'utiliser le nom de ce qu'ils connaissent de plus proche dans leur culture. Si par exemple je te fais sentir un parfum, tu vas peut-être me dire « Ah ouais, ça sent la rose avec un soupçon de violette. » Si je vais faire sentir le même parfum à, je sais pas, à un personnage dans l'Amazonie, il va sentir, oui, ouais, ça sent la bobinsana avec un soupçon de je sais pas quoi. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas l'odeur de la rose. Donc il ne peut pas me dire que ça sent la rose. Il ne connaît pas l'odeur de la violette, il ne peut pas me dire que ça sent la violette. Mmh. Il est obligé d'utiliser dans son référentiel à lui des éléments. Donc la personne qui pratique la kinésiologie, la personne qui pratique la lecture de l'aura, la personne qui pratique le chamanisme ou l'hypnose, on est tous dans la même démarche de réharmoniser l'individu, mais on a un discours, on nomme les choses différemment. Quelle est la vraie réalité de ces choses qu'il y a derrière nos mots? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que plus on partage, enfin plus on,
plus on étudie de techniques différentes et plus on commence à voir cette chose se dessiner. Donc alors, quand tu as un client qui vient te voir, c'est aussi finalement dans ce premier passage où tu discutes avec lui de la pluie et du beau temps, mais que tu vas aussi lui poser la question pourquoi il vient là, que toi-même, ça va te donner aussi quand même une idée de quelle langue tu vas lui parler durant l'hypnose, ou... Alors, si je comprends. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que j'essaye de m'approprier un petit peu sa mythologie à lui, donc son langage, ce qu'il connaît, etc. Par exemple, si je travaille avec un chrétien et que je veux l'envoyer se balader, je vais peut-être pas l'envoyer dans une synagogue. Mm-hmm. Je vais plutôt l'envoyer dans une église. Ou si tout à coup j'ai une vision d'un bâtiment sacré, je veux lui parler peut-être d'une cathédrale, alors que si je sais que je suis avec un musulman, je vais peut-être plutôt parler d'une mosquée. Mm-hmm. Donc voilà, c'est m'approprier un petit peu la mythologie de l'autre, de manière à pouvoir quand même dire des mots, mais les mots que je prononce, ça va réveiller en lui sa propre mythologie. Tu vois, par exemple, moi je t'ai parlé du bibliothécaire. Ouais, je sais pas si t'es mal parti là, parce que je suis pas un grand bibliothécaire. T'as quand même eu ce personnage qui est arrivé, quoi, mais la plupart des gens, enfin, tout le monde verra un bibliothécaire différent. Oui. Toi, t'as vu un bibliothécaire très strict. Ça m'a d'ailleurs étonné. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est notre mythologie personnelle qui enrobe la trame que je donne. Ouais. Maintenant. Là, c'est la partie magique, parce qu'il y a quand même une partie un petit peu magique. La partie magique, c'est que je me fie à mon instinct. C'est-à-dire que là... Que toi-même, tu te laisses guider dans la transe. Voilà. Tu t'es aussi hypnotisé par toi-même. Je t'ai mis en transe. Mmh. Puis une fois que j'ai estimé en te regardant, parce qu'il y a le langage du corps qui donne des indications sur dans quelle profondeur t'es, une fois que je pensais que t'étais assez profondément en transe, j'ai regardé par là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Et puis, tac, j'ai vu cette étagère-là, et puis, je l'ai vu garnie de livres. J'ai dit, bon, ben voilà, on va lui parler d'une bibliothèque. Hein, voilà. Donc, il y a tout un lâcher-prise, finalement, qui permet d'accompagner l'autre aussi dans... Tout à fait. Dans, finalement, le monde devient onirique, qu'il soit conscient ou inconscient. Mm-hmm. Il y a certains qui expliquent que, dans le domaine de la conscience, nos inconscients se rencontrent, et que c'est ton inconscient qui m'aurait soufflé l'idée que la bibliothèque, c'était une bonne métaphore pour ton inconscient. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci Cédric. Est-ce qu'on a encore envie de se raconter des choses pour aujourd'hui, ou est-ce qu'on se laisse guider par le fait que d'autres personnes sont rentrées dans la maison et que ça interrompt un petit peu l'aventure? Et puis, qui sait, on en fera peut-être encore une dans quelques temps. Mais qui sait, voilà, sur un thème similaire ou autre. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vivre cette aventure avec toi. C'était un bonheur partagé. Et j'espère que ça vous a plu aussi, que vous avez trouvé ça sympathique. Espérons-le. Voilà. N'hésitez pas à venir rencontrer Cédric chez lui ou peut-être ailleurs. Et merci. Et puis, bonne suite à nous, à vous et à l'hypnose.